Ok, bonsoir tout le monde. Je veux dire, c'est journée de la visibilité transgenre. Journée internationale de la visibilité transgenre. J'ai dit nous ça déjà dans différentes vidéos que j'ai postées avant. Visage gentil, j'ai fatigué, je suis vraiment fatigué. C'est vrai que j'ai fait des vidéos aujourd'hui pour me parler ensemble avec nous. Même j'ai estimé que ce n'est pas de place pour me parler. Que j'ai mieux que c'est des personnes trans qui parlent ensemble avec nous. Pour me poser quelques questions et répondre, et là maintenant, je vais passer aux plateformes. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous connaissons non? Non, pas, c'est Sémi Kaifra Alisha Fernand, qui est une femme transhaïtienne. Okay. Je dis à nous là, dans le cadre journée de la visibilité transgenre, pas vrai? Oui, je dis, c'est un jour que yon trans Crandall a décidé pour mettre voix trans en vigueur parce que. Face avec ça que trans tap viv nan États-Unis était jugé bon pour li bay voix trans yo parler pour dénoncer tout acte discriminatoire que yo tap viv. Ou même si on femme trans qui plus ou moins connue en Haïti, on connaît la télévision dans votre émission bagay ça on pas fait. Oui. Pour qui ça on pense que c'est nécessaire pour gagner un jour pour visible encore. Est-ce qu'on va estimer déjà suffisamment visible? Visibilité trans important parce que c'est pas moins seulement comme trans qui vivent en Haïti et gen des trans qui pas gen voix pour yo parler et gen des trans qui a vivent yon ban acte discriminatoire et qui stigmatisé qui pas gen voix pour yo parler et dans cas ça le gagner opportunité pour nous récolter ensemble de violence que trans subit et pour nous porter devant des instances c'est pas seulement faire activité pour nous réunir yo, pour festoyer ensemble avec yo dialoguer ensemble avec yo mais c'est prendre des données dans main yo de ça que y a vivre et pour aller plus loin avec pour mener lutte là plus loin. OK. C'est un message que tu as lancé pour monde qui cap regarder vidéo ça n'importe catégorie qui message tu as qui catégorie tu as lancé message et qui message tu as. Moi tu as lancé un premier message avec toute trans qui a regardé vidéo ça. Moi t'ap di yo que prend courage et lutte là difficile et affirmer que aussi en trans en Haïti c'est difficile m'a dit yo courage et que kembe la palage gen moun ki la pou yo gen moun ki la pou tande yo et moi a lancé un message tout avec population 6 hétéro 6 homo yo pour me dire que yon trans c'est pas une menace que lié pour yo et que c'est nous nan même nous fait partie de même panier nous tout nous c'est minorité. On lutte ensemble, on met tes mains ensemble pour nous avancer avec le club. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça m'a dérangé pour qu'on dise non? Et non, moi c'est Gabriel. Ok, je veux dire, c'est journée visibilité personne trans. Pour la cadre d'activité qu'on fait pour ça, est-ce qu'on a dit non? Et qui ça y est pour le trans? Et je dis assez prétérément, je souhaite lancer une journée visibilité pour les trans. Bon, tout trans, pas que j'aime une journée en même genre avec. Pour moi, même journée, je dis à son grand date, son grand jour, parce que j'en nous connais déjà dans la société, que la société haïtienne ou bien l'autre société, il y a un monde trans comme un qui est malade, comme un monde qui a un problème dans la tête, il y a souvent comment faire un tel bien sexe mal. Dans ce cas, nous avons dit comment faire un tel qui est pénis, puis un tel qui est boubou pour la petite femme, pour la petite garçon. Pour moi, ces journées-là sont gros jours pour tout le monde trans, parce que le monde trans est supposé faire plus. Dire que je ne suis pas malade, je suis normal, nous sommes le même genre avec tout le monde. Est-ce que vous pensez, qui sont pensés ou gagnés ou rapportés à un mouvement qui a fait une bataille pour le trans? Qui sont pensés ou rapportés à ce mouvement? Je pense que je suis capable. By tout moi-même, connaissance que j'ai gagné sur la thématique, estime pas, parce que en ville, l'autre trans qui a suivi moi. J'aime parler de estime moi, qui j'aime que j'aime peut-être moi étant que trans, qui j'aime que j'aime pas peur, dit que oui, je suis trans, ça va faire que je suis diable, ça va faire que c'est lui qui fait que je sous la terre. Et je souhaité pour chaque grain de trans, remettre plus, remettre accepter plus. Tu as pris un message, bah, tout le monde qui a regardé la vidéo, ça qui s'est passé. C'est en apprenant à apprécier la différence. Tout le monde n'a pas aimé Maï pour les mêmes gens. C'est même gens, un français pas semblé en italien, un haïtien pas jamais semblé à un mexicain. En suspend, discriminer, stigmatiser les gens, n'importe qui est italien, sous différence. Quels sont homosexuels, sexuellement parlant, s'ils n'ont pas même orientation sexuelle avant, vous êtes obligé de discriminer. Au niveau de l'identité de gens,
et le fait que si Jean pas fait que au supérieur, ça va avoir droit pour discriminer entre Jean. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez dit non? Oh bon, non pas c'est lui Stéphania, mais je préfère Stéphane ou bien Fanny. Qui ça? Bon, parce que moi c'est en France, moi je sens à l'aise dans ça, parce que normalement si Stéphania moi un petit peu féminin, donc j'aurais dit Stéphane, je sens non, je sens dans la question sexe. Okay. Est-ce comment vous sentez-vous en tant que personne trans qui vit en Haïti? Bon, de toute façon, parfois on est stigmatisé par rapport à mon commun. L'heure dans la rue qu'on a préféré d'être soumis ou bien qu'on a pris une folie garçon. Mais par rapport avec l'estime de soi que moi travaille soumis, donc pour pourquoi qu'on a dit mieux, je ne pas essayer de l'intimider, donc moi je suis capable. Est-ce que vous trouvez il fasse que ça compte ça pour comment ça y est pour l'autre? Parce que ma connaissance, est-ce que l'autre se connaît? Comment bon, ça y est pour l'autre personne trans? Quand il y a un homme trans qui peut mettre tête au dehors, parce que au connaît comment la société a été, il y a toujours un jugement pour le barreau. C'est un caractère comme si de style, sous bien habillé, au cas où bon, ou son garçon récent, mais on connaît tout le monde, même moyen. Même parce que c'est la question du système économique qui a fini par accepter un homme trans. Si vous avez une comparaison entre homme trans et femme trans? Bon, je pense que nous tous les deux, ni femme trans ni homme trans, nous sommes discriminés, même gens, mais. Jean reconnaît dit nous nous-mêmes hommes trans si Jean passé par rapport avec hommes si Jean là ouais nous y a toujours envie de nous y a une petite acceptation mais pour autant y a pas respecté nous vraiment donc on pense que nous dans même catégorie nous dans même discrimination. Ok. C'est un bon message pour tout le monde qui a bien pour aller vidéo qui ça va faire. On pense que aujourd'hui à ces journées visibilité trans et que m'a dit tout homme trans et femme trans yo kembe là travaille en pile mais nous pas là. Donc, nous avons toujours pour mener un meilleur combat pour la vie meilleure de nous. Okay. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Et non, pas monsieur Edwin. Edwin Rossico. Je préfère Ed. Ou bien Edwin tout court. Sans monsieur ou madame, ça me va. Ok. Est-ce qu'on a dit qu'il est dans ces gens? Moi, c'est une personne transgenre. Homme trans. Ok. Vous connaissez aussi Haïti, je sais de qui vous me faut, qui est fort. Ça, ça implique pour même voir évoluer la société, ça chaque jour. En tant qu'homme trans, c'est Jean Moyen, Harry, Jean Moyen. Moi-même, en tant que personne trans, je vis ma vie au jour le jour, et comme bon me semble. En fait, nous avons une société et qui a évolué, heureusement, mais gagné sans pour autant gagner un côté que la violence passe pas faite sur le monde. Et plus nous sommes capables de dire que les gens qui extériorisent, les gens qui transgenrent, ils subissent un peu de violence. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est une chance ou autre. Moi, je subis violence verbale, certes, parce que le regard est pesant et les paroles sont toutes les fois. Mais moi, je vais au-delà de moi-même. Et moi, cultiver une estime qui permet que moi vive. Et avec respect pour le monde. Et j'aime te dire, si c'est par chance, et le monde respecte tout parce que il y a un côté que depuis respect à lui-même, il baille pour recevoir en retour. Et bon, c'est comme ça que moi vis, moi fonde dans la société, hein, parce que moi fréquente tout espace, tout milieu. Je ne suis pas présente et tant qu'on personne transgenre avec un gros pancarte, mais ça se voit que je suis trans et monde qui connaît avec monde moins parler et laisse ça important l'aime juger l'important estimer que l'important pour me faire un monde part de qui ça qui transidentité a moi fait ça sans violence. OK, sans pas essayer forcer mon yo à monsieur ou autre chose. Merci beaucoup, mais avant nous aller, est-ce que vous avez un message que vous avez lancé à la catégorie de monde en particulier? Et à tout le monde, respect dans une société, c'est un bagage, c'est une valeur droit monde que qui est très important. Qui est très important, monde respecter monde, depuis bien respect, avoir une société qui est équitable, avoir une société côté tout le monde capable d'intégrer. Donc, il faut que respecter monde, monde a respecté. Et puis Haïti que nous voulons, changement que nous avons, il y a toute catégorie de monde là-dedans, y compris monde qui transgenre. C'est ça. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.
Bonsoir. Bonsoir. C'est comment vous allez? Non, pas moi, c'est Catalina Normil. Ok. Où ça c'est qu'on s'en aide? C'est parce que moi, c'est une femme transgenre. Ok. Là, maintenant, j'ai chance d'interviewer plusieurs femmes trans. Moi, je suis habillé différemment de vous-même. Pour qui ça vous-même, vous identifiez en tant que femme trans et puis c'est quoi ça vous habille? En fait, que l'identité de genre n'a pas un rapport avec l'expression de genre. Au cas toujours habillé en mâle, ça ne veut dire que ou c'est un garçon. Au cas toujours habillé en femelle, ça ne veut dire que ou c'est une femme pour ça. Moins habillé en mâle, identité de genre diffère avec expression de genre. Même quoi moins pas de tété, mes chemises, mes pantalons, ça ne veut dire que moins son garçon. Moins d'être tête moins attaqué yon femme, c'est parce que moins son femme, moins une femme. Ok. Si tu as un message que tu as adressé à mon qui écoute des vidéos, à une catégorie de monde quelconque, qui catégorie mon établi et qui message à l'établi? Message par mon coucou et pour mon yo, c'est pas les mon yo habillés en femelle ou bien en mâle pour gagner tant de monde sans son garçon ou bien son fille. Et retenir mon nom, si vous qui s'accueillez avant tout pour pas blesser mon nom, gagner des monde depuis où est que vous mettez on maillot mal sous, on pantalon mal sous, yon qui dit que ou ces garçons qui différent que mon nan ka bien n'est pas de chakelier, li pense que li c'est yon fille ou bien li c'est un garçon. Même j'en avec drag et drag queen et qui pas ma si yo, yon habille en fille et pour faire comédie, ça pas veut dire que yo c'est garçon ou bien yo c'est yo c'est ma si ou bien yo c'est femme. Ça message pas maintenant, c'est pas kato, c'est pas mettre mon yo n'a plein que pour gétan dit et identifier et identité de gens mon pour retenir mon identité tête attaquer mon que hier. OK, merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que vous avez dit le nom, s'il te plaît? Oui, c'est Etera et Stéphie. Ok. On va poser une petite question, Etera. Question que je dis à ces journées de la visibilité de la genre, pas vrai? Oui. Pour un pilote, je me connais bien qui est dédié à la personne LGBTI. Pour qui ça a un jour en plus? Qui ça a fait? En fait, le 31 mars, c'est une date qui vraiment marqué communauté LGBTI en général, mais plus précisément communauté trans là, parce que c'est une date qui est baptisée comme journée internationale visibilité monde trans, et c'est dans divers pays dans le monde entier côté que on choisit date ça pour célébrer et commémorer journée ça sous réflexion sous façon que yo ouais monde trans façon de recevoir traitement dans la société qui a vivre. Et nous-mêmes, en tant que pays ou société qui fait partie intégrante ou membre des Nations Unies, nous avons jugé nécessaire pour nous commémorer le jour. Est-ce que vous message à adressé à un groupe spécifique? Bon, et oui. Et le message là, c'est dit tolérer les gens qui différent de vous sexuellement. Pour moi, les plus bons que l'Aïsme. Et honnêtement, je constate que tolérance, c'est base avancement de toute société. Du coup, si nous voulons une société côté que tout le monde est capable de montrer et prouver ce qu'il est capable de faire, c'est arriver à tolérer et respecter tout le monde en tant que nous. Merci un peu pour l'intervention. Merci, Jean-Michel.